c'est pour comprendre pourquoi il y a évolution vraiment. On part dans le passé jusqu'à l'ère Meiji au Japon de techniques pour arrêter les lances, go, des techniques de conflit. On gagne, on tue, on domine ou on perd, on essaie de se défendre. Voilà. Et jutsu, c'est toutes ces techniques-là qui permettent d'arrêter les conflits ou de les mener pour arriver à ses fins. Puis après, au milieu du siècle dernier, notamment Jigoro Kano, comprend que toutes ces techniques-là, si on les réalise autrement, elles sont fortement constructives pour l'être humain, pour lui apprendre pas simplement la maîtrise de sa psychomotricité, mais aussi son psychisme, ses peurs, et essayer qu'il construise avec d'autres une dynamique d'évolution vers cette complémentarité. Voilà. Donc lui, il met en place le judo. Voilà. Puis en parallèle, deux autres grands courants, c'est Gichin Funakoshi avec Karate, Do, dont l'objectif est la non-violence, la voie des mains vides. C'est-à-dire la main au Japon, c'est l'ego, Morei Ueshiba. Alors, longue lignée aussi de différents arts, et aussi prêtres. Et aussi prêtres. Sens de la vie. Sens de avant la vie, pendant la vie, après la vie. De la mort, etc. Et Morei Ueshiba a des expériences métaphysiques. Et tout ça, ça influence toute sa recherche, car c'est un homme qui était en recherche dans ce que j'ai lu, que j'ai goûté, ce que j'ai parlé avec notre Kobayashi. Il était tout le temps en recherche. Et on voit, quand on regarde des vidéos, qu'il ne bougeait pas pareil quand il avait 40 ans, 50 ans. Bon, une première, c'est vidéo quand il avait 50 ans, je crois. Enfin bon, la cinquantaine, la soixantaine, jusqu'à son décès, il y a eu une évolution. Et il y a eu des groupes d'élèves qui sont venus à un moment, puis qui sont partis, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Donc en fait, on voit des groupes d'évolution de ce qu'on appelle Aïkido, qui des fois, on se dit, mais ça n'a pas grand-chose à voir, finalement. Mais c'est logique, c'est le temps qui passe et l'évolution. Et puis, le temps passe, il a des disciples jusqu'à la fin de sa vie, et bon, humblement, j'en ai rencontré quelques-uns, j'ai pratiqué avec quelques-uns, et donc c'est avec Maître Kobayashi que ça a tout de suite flashé, quoi. Bien. Et il était dans ce processus d'humanité verticale, une sorte de noblesse, de délicatesse, de force, de cœur important, et en même temps d'une grande rigueur. C'est la séquence de cette recherche où j'ai constaté les choses suivantes, aussi bien au Japon qu'en Europe, que de manière inconsciente, avec ce processus informationnel, pas mal d'hommes se trouvaient avec un certain confort de domination des femmes dans certaines techniques. Exemple, et quand les femmes arrivent sur un homme, j'ai vu des expressions de visage, je me souviens d'avoir été marqué, c'était au Japon, où une japonaise était contente sur une certaine technique d'avoir mis à genoux un homme. Et quand j'observais tout ça, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Donc j'ai cherché des évolutions. Aussi, on dépassait ce qu'on appelle la martialité pour arriver dans un échange vrai, précis, présent, et cet échange-là, il allait vraiment pour une recherche réciproque de paix, et jusqu'au fait de réfléchir profondément sur notre attitude dans la relation, qu'est-ce qu'on aimait, notre comportement, nos gestes, nos actions, et d'enlever tout geste qui peut être perçu par l'autre comme une sorte de violence, d'agressivité, etc. D'envoyer, d'arrêter tous les messages inconscients du non-verbal vers l'autre pour qu'il n'y ait pas de graines de violence qui arrivent dans l'esprit de l'autre, dans l'autre, qui un jour vont grandir et produire d'autres graines de violence et on n'en finira jamais. Et donc j'ai eu l'idée, mon nom de moine zen, c'est Taïsan, c'est-à-dire montagne de paix. Mais Taï, ça veut dire, on peut aussi traduire par Heihi ou Heiwa. En japonais, il y a plusieurs choses. C'est la notion de paix. Et donc, je lui dis, Bu Heiwa Do, c'est vraiment la phase d'après le développement. Bu
sous le bouddho, et là on est vraiment, l'objectif c'est pacifier soi-même, se pacifier dans tous les rôles. Et en même temps, être ensemble en complémentarité pour apprendre à se pacifier mutuellement. Et à ce moment-là, ça aura un vrai sens. Au-delà des techniques. Les techniques sont des outils pour pouvoir accéder à cette dimension humaine et de créer cette dynamique ensemble. Bien, alors c'est un sacré boulot parce qu'il faut arriver à faire un sacré ménage dans sa manière de se comporter, d'être. Mais n'est-ce pas ce que les anciens ont fait? Donc, évidemment, on doit tous travailler pour ça. Et donc, c'est cette phase-là de développement dans laquelle nous sommes aujourd'hui, au début du 21e siècle. Et hier, j'expliquais qu'il y a 3-4 mois, je prends un peu de temps en temps pour, sur Internet pour regarder tous les gens que j'ai rencontrés, connus, avec lesquels j'ai pratiqué, en tant qu'élève ou autre. Comment ils évoluent? Est-ce qu'il y a une évolution dans ce sens-là ou proche pour pouvoir leur dire, hop, je prends le téléphone, j'écoute, il faut qu'on se rende compte parce que ce que je vois, ça ressemble bien. Voilà, essayer de recréer quelque chose. Et ce journaliste-là n'est pas du tout dans le même fonctionnement que celui de Maître Ushiba et ses élèves, qui étaient encore dans un fonctionnement un peu féodal. Lui, il était déjà parti dans le fonctionnement qu'on peut voir un peu aujourd'hui, c'est-à-dire le respect, il ne fonctionne plus du tout comme avant. Et donc, il est très impertinent devant Maître Ushiba. Il pose des questions qui paraissent complètement hallucinantes quand on connaît un peu la dynamique relationnelle féodale qu'il y avait à l'époque et dont on parlait aussi un peu de l'écologie. Et à un moment, Maître Ushiba aurait dit, c'est traduit dans ce texte-là, que son Aïkido, finalement, il dépasse les bouddhos et il est dans une dynamique de Gu et Yuado. Voilà ce que j'ai dit. Et il développe ce truc-là. Et je lui dis, mais c'est vraiment très intéressant, parce que ça ressemble vraiment ça semble ressembler à ce qu'on met en place. Voilà, donc ça c'est un peu pour la dynamique du sens et de l'évolution. Car si on reste, toute tradition répond à un moment donné à une préoccupation donnée, à l'environnement, etc. Mais cette tradition... On peut se servir des traditions pour pouvoir s'appuyer sur quelque chose, d'avoir des repères, mais on continue d'avancer. C'est qu'en fait, on part sur les acquis des anciens, on s'implique complètement dedans en étant étudiant, aspirant, apprenti, et petit à petit, ben, on peut découvrir d'autres techniques, et on peut découvrir d'autres outils, on peut en inventer, etc. etc. C'est le sens naturel de l'évolution humaine. Voilà. Donc on est dans ce sens naturel d'évolution humaine. Très bien, voilà pour l'histoire, le résumé de l'histoire.